samedibloxamedrama.fr. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour notre troisième jour de ce calendrier de l'Avent et j'ai décidé de vous faire une petite surprise et de vous sélectionner 5 groupes de K-pop qui, à mon sens, sont totalement underrated et que vous devez mais stan absolument, mais genre absolument. Et comme le concept de ces vidéos du calendrier de l'Avent doivent être assez courtes parce que sinon je vais galérer au montage et vous en aurez pas 24 en décembre, je pense qu'en 2020 je reprendrai un peu cette vidéo et je ferai un truc beaucoup plus travaillé. Mais là j'avais quand même envie de vous faire plaisir et de vous présenter 5 groupes qui pour moi ne sont pas assez connus. Et pour faire court, ce que j'ai décidé de faire, c'est qu'en fait je vous cite les groupes et je vous présente à chaque fois uniquement 3 chansons. Le premier groupe dont j'ai décidé de vous parler, je pense que ça ne vous étonnera pas, c'est Ace. C'est un groupe que je surkiffe, qui ont mais du style de fou. Je vous laisse donc avec 3 petits extraits. Le deuxième groupe que je vais sélectionner, c'est Sir. Alors, je sais pas trop si ça se prononce comme ça. C'est un groupe de rock. Enfin, je sais pas vraiment si c'est du rock. J'ai du mal à un peu à classer les groupes niveau musical. Mais oh my god, j'adore le timbre de voix du chanteur, j'adore leur style de musique, j'adore leur tenue parce qu'ils sont méga stylés dans tous les MV. Et vraiment pour moi c'est un groupe que vous devez absolument découvrir. Je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo où je vous présentais 15 groupes de rock à connaître absolument. Et eux, mais vraiment je les adore. Ensuite, je vous ai donné Victon, pareil, je sais pas si ça se prononce comme ça, qui est un groupe qui, à chaque sortie ces derniers temps, passe directement en haut de mes classements. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose à suivre et c'est un groupe qui m'intéresse vraiment beaucoup. Faut que je me renseigne davantage sur eux parce que je les connais finalement assez peu. Mais ils ont du talent, ces petits. C'est Oniwi ou Onewi, je sais pas du tout comment ça se prononce, qui est un groupe de rock également. Et le chanteur principal a une voix à mourir, elle est juste sublime. J'adore leur style de musique. À chaque fois qu'ils font un comeback, ils sont en haut de mes classements. Et le dernier groupe que j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui, c'est VAV, que je voulais tellement aller voir en concert, mais bon les gars, il y a eu trop de concerts cette année, qui est un groupe que je ne connais pas encore très bien. Plus je m'intéresse à ce qu'ils font, plus leurs chansons me parlent, plus leur style me plaît. Donc c'est vraiment un groupe que j'ai envie de découvrir, que j'ai envie de vous faire découvrir et que j'ai envie que tout le monde découvre. Donc voilà, c'est tout pour moi
n'hésitez pas à me dire en commentaire vous quels sont les groupes Under Attack que vous voulez absolument que je présente. Et si vous aimez les groupes dont je viens de vous parler aujourd'hui, et je vous fais plein de bisous, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Salam yé, popo, bye bye.